Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va prendre un petit peu de recul pour comprendre le contexte dans lequel s'inscrit mon travail. Le monde visuel dans lequel nous évoluons est si riche, contient tant d'informations, que notre cerveau est incapable de l'appréhender dans sa globalité. Pour en sélectionner les informations les plus pertinentes, il utilise un filtre qui s'appelle l'attention. Il existe deux façons complémentaires d'étudier l'attention visuelle. Donc la première, c'est en faisant des expériences oculométriques, où on va enregistrer tous les mouvements oculaires qu'un observateur va faire en regardant, par exemple, une scène naturelle. Allez, on y va. Où ça? Voir le cimetière. Donc on peut se rendre compte en regardant cette vidéo où j'ai demandé à 40 personnes différentes, dans deux conditions, c'est pour cela que vous voyez deux couleurs différentes, d'explorer librement cette scène. J'aime pas les pommes. J'ai pas autre chose. La deuxième approche pour étudier l'attention est complémentaire de la première et on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que on choisit de porter notre attention et donc notre regard à cet endroit plutôt qu'à un autre. On va faire des modèles de science visuelle. Ce qui est saillant, c'est ce qui attire notre attention. Donc ça peut être par exemple un contraste très fort en couleur, en luminosité, en mouvement. Donc ce sont vraiment des indices liés au stimulus. Donc il existe un bon nombre de modèles de science dans la littérature qui fonctionnent plutôt bien, mais ils ont tous ceci en commun qu'aucun ne prend en compte le son pour modéliser l'attention. Ça c'est un petit peu bizarre parce que le son c'est quand même quelque chose qui est omniprésent autour de nous et qui peut assez radicalement guider notre attention. C'est vraiment ici que mon travail de thèse intervient. J'aimerais quantifier l'influence du son sur la façon dont on explore une scène visuelle dynamique et le quantifier pour pouvoir l'introduire, le son, comme une variable dans les modèles de science audiovisuelle. On a effectué plusieurs expériences oculométriques grâce auxquelles on a pu comparer les mouvements oculaires effectués par des observateurs dans plusieurs conditions sonores différentes. Et j'ai pas le temps de rentrer dans les détails ici, mais un des résultats qui nous a vraiment intéressés, c'était que dans les scènes, dans les idéaux de conversation entre plusieurs personnes, la présence du son original permettait aux observateurs de suivre beaucoup plus précisément les différents tours de parole. C'est-à-dire que le locuteur était davantage regardé par les observateurs dans la condition originale, avec la bande son originale. Elle est prof de yoga. Prof de yoga? Je me demande comment j'ai pu monter la tête sur elle. Donc ça nous a vraiment intéressé. Et on a voulu quantifier cet effet du son. Donc pour ce faire, on a tâché de modéliser statistiquement la carte des positions oculaires que vous voyez ici, d'une personne qui regarde, plusieurs personnes même qui regardent une scène donnée, à travers une combinaison linéaire pondérée, donc une somme avec des coefficients, de plusieurs indices. Donc là vous voyez, on en a déjà parlé avant, la science statique, la science dynamique. Donc nous, ce qu'on a estimé, ce sont les poids bêta devant chacune de ces cartes. Plus un poids est élevé, à une valeur numérique élevée, plus l'indice correspondant est important pour modéliser l'exploration visuelle. Donc on s'est rendu compte que les poids associés au visage étaient bien plus élevés que ceux associés à n'importe quel autre indice. Donc c'est vraiment ceux-ci qui sont prépondérants. Et que particulièrement, dans la condition originale, avec la bande son originale, le poids associé au locuteur, à celui qui parle, est encore plus important. Donc on avait des chiffres avec lesquels on allait pouvoir nourrir un modèle de science audiovisuelle que je vais vous présenter juste maintenant. Donc voici l'architecture générale du modèle. Donc tout en haut, on a l'image originale avec la bande son associée, donc des personnes qui ont une conversation, et on extrait toute une gamme d'indices visuels de cette image originale. Donc le biais centré, la science statique, la science dynamique, les cartes visage. Et alors là, on a créé un petit algorithme pour opérer automatiquement le locuteur, celui qui est en train de parler. Ça s'appelle la segmentation automatique du locuteur. Donc chacune de ces cartes, on peut les pondérer à partir des poids que l'on a obtenus lors de la modélisation statistique que je vous ai présentée juste avant, et on les fusionne en une carte de science maîtresse qui va prédire où est-ce que d'éventuels observateurs vont regarder. Donc voici un exemple de la sortie de notre modèle. Donc vous voyez sur cette vidéo, en haut, c'est la scène originale, avec en vert les positions oculaires des personnes qui ont vu cette scène avec la bande son normale, et en rouge, ceux qui l'ont vu sans aucun son. Et en bas, vous voyez la sortie du modèle. Donc vous voyez la combinaison linéaire pondérée des différents indices que je vous ai présentés juste avant. Et vous allez voir que, automatiquement, quand la parole va changer, eh bien, le cadre qui correspond à la tête du locuteur va s'éclairer. C'est-à-dire que sa saillance va devenir plus importante. On a évalué ce modèle
Et vraiment, il permet assez efficacement de prédire les positions oculaires des observateurs, en tout cas beaucoup mieux que les précédents modèles qui ne prenaient pas en compte le son. C'est bien joli tout ça, mais à quoi ça sert dans la vie de tous les jours? Des applications très pratiques. Une des applications potentielles, c'est transférer des films grand format, comme peut y avoir au cinéma, sur des plus petits écrans, comme des smartphones. Donc on va simplement, grâce au modèle, choisir les zones les plus saillantes et seulement reproduire celles-ci sur les écrans. Ça s'appelle le reciblage. Donc il reste encore beaucoup de travail pour continuer à améliorer ces modèles de science, notamment en intégrant les processus descendants, qui sont propres à l'observateur. Ça, c'est une autre paire de manches et c'est la suite de l'aventure.